Salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Beach Brave South. Donc ça y est, c'est officiel depuis aujourd'hui 17h, l'opération 25 millions de téléchargements est lancée. Donc comme je vous l'avais déjà précisé lors du dernier résumé sur le KGS épisode 39, donc Caleb a mis les petits plats dans les grands. On a pas mal de choses qui nous attendent en termes d'événements, de cadeaux, on va faire un petit point sur tout ça. Alors du coup, ce qui me fait chier, c'est que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. des petits soucis d'enregistrement, voilà, mon micro qui n'a pas capturé ma voix lors du premier enregistrement, c'est un petit peu gênant. Donc du coup, c'est chiant, j'ai récupéré mes cadeaux. Normalement, quand vous arrivez dans vos cadeaux, vous en avez à peu près, vous en avez une quarantaine qui vous attendent. Vous avez pêle-mêle une volonté du Ogyoku, vous avez 3 Ogyoku, vous avez 200 de chaque petit cristaux et petite gemme de chaque affinité, vous avez 100 de chaque cristaux et gemme de format moyen, de chaque affinité toujours, et vous avez 20 de chaque grande gemme et grand cristaux de chaque affinité. Vous avez également 20 larmes de chaque affinité et 10 orbes. Sans oublier 2500 cannes, donc ça c'est une seule fois par joueur que vous obtenez l'ensemble de ce set, puisque c'est tout joueur se connectant pendant la période qui va de aujourd'hui 17h jusqu'à la fin du mois d'octobre qui obtiendra une fois ce set de renforcement, sauf pour les 10 orbes. En fait, les 10 orbes, étant donné que l'opération dure sur 10 jours, à chaque jour de connexion, vous aurez 10 orbes en plus des cadeaux quotidiens habituels. Donc si vous vous connectez tous les jours pendant les 10 jours, au total, ça vous fait 100 orbes supplémentaires. Deuxième point, du coup, voilà, qui n'est pas complet non plus à cause du premier fail de rec de cette vidéo. Donc, nous avons deux missions supplémentaires qui s'ajoutent. L'opération de Rukia que vous voyez actuellement qui permet de ramasser un max d'XP quand vous la terminez. Donc, ne faites pas cette mission, genre si vous avez besoin de passer vos persos de 100 à 120. Non, non, ce serait du gaspillage. Hein. Faites-le, par exemple, si vous avez besoin d'aller de 120 à 150. Ou si vous allez de 1 à 100, par exemple. Enfin, profitez-en, il y a énormément d'XP à vous faire sur ces missions-là en une seule fois. Donc, mettez des boucles d'XP, mettez-vous un boost d'expérience également. Là, il y a moyen de vous monter très rapidement des persos. Sachant que la mission va se faire une fois par jour, quotidiennement, jusqu'à la fin de l'événement, vous avez moyen de maxer très rapidement certains de vos persos. L'autre mission qui du coup n'est pas présente, c'est l'opération Mega Mago de Cone, qui en plus de vous rapporter suffisamment d'XP et de cannes, vous rapporte surtout des cœurs de renforcement qui vont de 1 à 4 étoiles, ça se prend. Même si effectivement, si vous faites partie des gens qui ont pas mal tryhard des espaces de transmission, normalement, niveau, comment dirais-je, niveau cœur de renforcement, vous ne devriez pas être à plaindre, mais au cas où, sachez que vous avez des cœurs de 1, 2, 3 et 4 étoiles qui sont droppables dans cette opération Mega Mago de Cone, qui n'est pas à l'écran là maintenant tout de suite, mais qui sera sur le vôtre si vous ne l'avez pas encore fait. Autre point également, là, il faut, depuis votre menu d'accueil, vous rendre directement dans le menu ordre. Là, vous avez des petites choses qui se sont ajoutées dans le menu événement. Vous voyez, par exemple, éveiller un personnage de 5 vers 6 étoiles. Ça vous donnera donc un ticket d'accessoire 3-4 étoiles. Le fait d'envoyer un tweet vous rapportera 25 orbes. D'évoluer un accessoire vers 4 étoiles une fois, c'est un cœur de renforcement 4 étoiles. Un accessoire 5 étoiles qui tombe, c'est un pinceau de réécriture. Terminer 40 coop, c'est un cœur de renforcement 4 étoiles. Buter 5000 à un cœur de renforcement 4 étoiles, et en terminant tous les ordres qu'on vient de voir à l'instant, un nouveau pinceau de réécriture. Ça, sachant qu'en plus ça vient à la veille quand même des extrêmes coop qui arrivent lundi, où j'espère, comme la session précédente, dropper un max de pinceaux, ça fait quand même plaisir que tout ce genre de petit loot nous soit permis. Ça va très très vite servir. Ensuite, dans les autres points, comme on le voit ici, donc toutes les épreuves sont ouvertes, c'est-à-dire les épreuves de cannes et les épreuves de fusion d'accessoires pour obtenir les poudres et les boucles de chaque affinité sont dispo tous les jours, pendant les 10 prochains jours, du 21 au 31 octobre. Dans le même temps, les quêtes, nous avons les événements exceptionnels spéciaux. Alors là, c'est vraiment un super méga exceptionnel de ouf du Turfu. Pendant cette période, non seulement vous recevez un bonus de points d'avènement, donc plus de points pour que nous puissions atteindre plus rapidement les 200 points d'avènement, nous assurant d'avoir au moins une fois le personnage que l'on loot, que l'on farme, mais les chances d'obtenir un personnage d'avènement durant ces quêtes sont plus élevées que d'habitude. Donc là, du coup, il nous max vraiment le potentiel d'obtention des persos pendant les quêtes avènements, que ce soit en 4 comme 5 étoiles. Et donc du coup, c'est l'occasion d'enforcer vos personnages veillés, etc., etc. N'oublions pas non plus le fameux pack 25 millions de téléchargements. Je vous en avais parlé dernièrement. Donc là, on voit bien tout ce qui est inclus dedans. On va faire le petit détail tout de suite. Donc nous avons donc déjà un ticket 5 étoiles spécial, 25 millions de téléchargements, 142 orbes spirituels plus 25 en bonus pour un total de 167, une volonté du Ogyoku et 80 larmes de chaque affinité. Ça, plus les 20 de chaque larme qu'on a eu aujourd'hui. Allez hop, si vous achetez le pack, ça vous fait 100 larmes qui tombent. Ça se branle. Alors, on va se faire ensuite un petit détail donc de l'ensemble des persos qu'il est possible d'obtenir via le ticket 5 étoiles. Et croyez-moi qu'il y a du bon. On commence par Tenza Zangetsu. Voilà, le Tenza, ça fait plaisir. Donc, il est dispo dans le ticket. Au même titre que Shirosaki, disponible également dans ce ticket. Et on n'oublie pas le troisième
Le troisième personnage qui complète ce trio infernal, Armor du Ruichi. Oh, comment j'ai trop envie de la voir celle-là, putain! Mais il n'y a pas que ces trois-là, puisque là nous avons le reste de la liste des persos. On va distinguer donc Blue Pachi, Koga, le Oryu d'Affinité Force, Retsu d'Affinité Connaissance, le Toshiro de l'Arc Fullbring, Izuru, Kaien, le Rose d'Affinité Force, Tosen, Oko, Shusuke Amagai et Ashido. Donc il y a quand même pas mal de bonnes petites choses. Moi, si bon, je pense sincèrement, je vais me le prendre ce pack. Je vous le dis clairement, je pense que je vais me le prendre. Les larmes, le ticket, le machin, tout ça, bon, c'est quand même plutôt bueno. Dans les persos qui me seraient vraiment hyper OP, lui là déjà, lui pour Noitra, hein, juste, il serait parfait. Lui aussi, serait très bien, hein, un petit dégât des attaques normales plus 25% en soul trait, je ne suis pas totalement contre. On a également Rose, donc qui lui permet quand même, je crois que c'est du 14% de réduction de temps de recharge, me semble-t-il. Oui, je crois que c'est du 14. Même temps, c'est 14. Après, dans les autres persos utiles, bah, Blue Pachi, hein, comment que dire d'autre de Blue Pachi? Kayenne qui permet également des dégâts d'attaque puissantes plus 25% également. Donc, que du bon, que des choses qui font plaisir. Donc, bah, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Hein, les objectifs sont quand même simples à réaliser. On a la chance de pouvoir farmer tout ce qu'on veut, comme on veut, pendant les 10 prochains jours. Et là, je suis en train de foutre la merde sur mon bureau, merci. Sans oublier les petits pinceaux de réécriture, les petits cœurs de renforcement, les petites missions quotidiennes, hein, ça fond dans la bouche. Bon, bah, écoutez, bah, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas en ce qui concerne le lancement de l'opération spéciale 25 millions de téléchargements, donc effectivement pas mal de bonnes choses qui nous attendent. Là on va pouvoir se remplir un peu les fouilles, ça fait plaisir, puis surtout avoir un peu d'XP. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'événements qui vont être super utiles à certains d'entre vous, je pense à tous ceux qui ont eu la chance d'obtenir plusieurs persos dans les loteries propres à la guerre Saint-Jean de 2000 ans, la loterie Halloween, c'est ce genre de drop multiple de persos, ah, ça met à mal nos réserves en matière de cristaux, en matière de gemmes, en matière de cannes également, déjà qu'on n'a plus beaucoup d'orbes, là on va pouvoir se refaire un petit peu, l'XP derrière ça va pouvoir tomber si vous n'êtes pas surtout en capacité d'en avoir beaucoup avec vous, bah là il y a la mission de Rukia qui est là une fois par jour. Bon, quand même pas mal de petites choses là, ils ont fait vraiment vraiment du bon. Là, je pense que je vais vraiment kiffer moi ces 10 prochains jours. Et d'ailleurs, sitôt la vidéo terminée, je vais m'y mettre, hein, puisque j'ai encore mes deux persos Halloween à passer niveau 200. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour cette vidéo là. Oui, je suppose que j'allais dire de plus, mais voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à réagir avec ce que vous avez vu et entendu dans les commentaires de la vidéo, par Facebook, Twitter, Discord, vous connaissez les bails, la description comme d'hab, elle est là pour vous le rappeler. Merci à vous d'avoir suivi et je vous passe un petit message. Ce soir, il n'y a pas de live sur PS4. Non, 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 non. Ce soir, on est sur Bleach. Oui, on est encore sur Bleach. Ce soir, live, potion, verte, espace de transmission, niveau 170, à partir de 22h. Donc, si vous souhaitez, eh ben écoutez, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour les espaces de transmission. Des bisous à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. En tout cas, un bon après-midi, bonne soirée, bon appétit, en avance. Et à tout à l'heure. Ciao!